On descend et on remonte. Allez, 3, 2, 1. Descends, tonton. Bon, on descend, s'il vous plaît. Mon ami. Oh, vraiment là. Vraiment. T'es où? On vous met la pause, on arrive. On se m'envoie les couilles. Parking central. Oh, j'arrive. Ah. Oh là là. C'est qui? C'est tonton. Ça va la zone. C'est qui ça? C'est moi. Lui, il a changé depuis la Tanzanie. David Homme, il a fait un safari, il se prend pour Indiana Jones. Ça me fait bizarre de le redire, mais vous m'avez un peu manqué, bande d'enculés. Moi aussi. Tu m'as manqué, Ah, c'est bon! Je suis pas ce bord-là, moi, je m'en bats les couilles. On m'en bat les couilles, on a plus rien à foutre. Tonton, mets un sac de Winx. Mais hein, quoi? Mets ton sac de Winx. Mon sac de Winx. Un sac de Winx. Mets ton sac de Winx. Moi, je mets pas mon sac de Winx. Mais allez, avec mon sac de Winx. Vous aimez bien mon sac de Winx? Allez, on y va. Bah, en fait, t'as pas besoin d'en mettre, t'es déjà un gros sac. Hein? Vous êtes pas chaud, on fait une course là? Vas-y. Nous, on va le faire ça sur l'autoroute. Vas-y, go, l'autoroute. 3, 2, 1, go. Oh, oh, pfff. Oh, attends, il te rattrape pas. Ouais, bah oui. Quoi? C'est moi, son véhicule là, Bataradi. Ça là, tu fais l'accident. Non, là, c'est abusé là. Là, plus jamais, je prends ce véhicule là, plus jamais. T'inquiète, bientôt, je les calme. Tu es avec tonton, je fume un col. Et les gars, y'a le police. Ouais, y'a la police, bah là, ils vont mettre bien les giros. Hein. Venez, on attend, on fait les anciens. Ok, c'est pour nous. Non, mais là, c'est bon, mais de toute façon, on les trace fort là, ils peuvent. Ça, c'est le police, il est derrière moi. Là, je m'en bats les couilles. J'ai mes petits à mes côtés et c'est le police derrière moi. Fuck la police. Hein? Attends, je leur fais un doigt. Vas-y, descends. Descends, fais-leur un doigt. Attends, fuck la police. Fuck la police. Fuck la police. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, la police. On va mettre sur le côté, s'il vous plaît, on coupe le contact, on sort du véhicule. D'accord, je descends. Ok. Attends. Non, mais vous ne prenez pas un compte, descendez. J'ai arnaqué mon collègue. Fuck the police. Fuck the police. On descend et on remonte. Allez, 3, 2, 1. Descends, tonton. Bon, on descend, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. T'inquiète. Non, t'inquiète pas. Celui-là. Voilà, celui-là. Ça va. Vous n'avez pas l'impression d'aller un tout petit peu vite? C'est vrai, j'allais beaucoup. C'est parce que j'écoutais du Michael Jackson. Tout le temps, le Michael Jackson, ça m'excite. Eh, c'est qui le mec avec le taser là? C'est qui lui, le colossal là? Ah, c'est un procureur. Voilà, c'est une tombale ça. Écoute-moi bien, espèce de clochard. Tout de suite, mes pneus, je te coupe le tête. C'est une menace envers un agent dépositaire de l'ordre public. Arrêtez-moi ce monsieur. Hein? Non, je rigolais. Voilà. Et il veut quoi, lui, là-bas? Monsieur, c'est un agent de sécurité, lui, là-bas? C'est qui? Voilà, avec ta verse de ce grand père. Va là-bas. Arrêtez-moi, le monsieur. Il est habillé avec le jogging. Toi, tu veux m'arrêter parce que je suis black? Les black matter. Les black matter. Il m'a dit arrêtez le monsieur avec le jogging et les lunettes noires. Black Madden! Voilà, il est malade! Menace envers agent dépositaire. Oh, ta gueule! Ta gueule! Pas. Oh non! Arrête! Arrête le police! Arrête! Au revoir! T'es où, tonton? Leave Black Matter! Je me suis barré! C'est raciste ça! Reviens, va lui faire la peau! Ok, j'arrive! Reviens comme un imbécile! Bah non, arrêtez pas! J'avais une lampe de caca! Tonton, il fait trop le mec, le mec en chemise! Ouais, je veux le goumer! Attends, je veux le goumer! Non, le goumer vraiment pas! Je suis sûr que vous allez le regretter! Ok, j'arrête! Menace envers un magistrat dans l'exercice! Leave Black Matter! Leave Black Matter! Black Matter! Leave Black Matter! Ouais, leave Black Matter! On lui ira bien les droits quand il sera! Monsieur, non! Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. I'll be the one for me. Hey, W, tu m'as dit de revenir. Leave Black Matter. Pour la bataille, c'était là-bas. C'était bien cassé. Allez, lui dire. Ah, mais ça a bloqué l'entrée, vous avez juste être arrêté aussi, mais ils sont. Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez-le aussi. Le procureur, on a besoin de renfort immédiatement. Les Black Matter! Les Black Matter! Arrêtez tout le monde, s'il vous plaît. Oh, ta gueule! Alors, délit de fuite, refus de tempérer, instruction. Non, mais monsieur, n'abusez pas! Monsieur le tomate, n'abusez pas quand même! J'ai sorti mon revolver, que si vous tentez de fuir, on sera obligé de vous tirer.
dessus. Oula, oh, monsieur, Lire Black Matter, vous êtes stagiaire ou quoi là? Et là, comme si c'était ça. Tu connais pas le travail de la police, tu connais pas le travail de la police, hein? Vous êtes là depuis combien de temps, monsieur? La police est très senti, hein? Ça fait au moins 35 minutes. Ok. Ça fait combien de temps qu'il est là, monsieur le procureur? J'en ai rien à foutre. Il a fait des délits, vous lui dites. Du coup, en état d'arrestation pour délit de fuite, fois de refus d'obtempérer, outrage à agent, outrage à magistrat, menace de mort et. C'est tout. Bah mettez-moi perpétuité, non? Tu me mets la cesse électrique. Leave Black Matter, bataradi. Il s'en tape, il fait tout ça parce que je suis black, enculé de tes cheveux. Bon, c'est ton avocat sans être ton avocat. Ouais, c'est bon, c'est pas mal ça. Alors, monsieur Diakité, il y a vice de procédure. Alors, je vais te dire quelque chose. Oui. Là, il y a vice de procédure parce que le audio qui m'a appelé, monsieur Bakary, il a dit monsieur Kiraba. Et donc, le Kiraba, il n'existe pas. Ok, il y a vice de procédure. Parce qu'il m'a pas appelé Bakary, il m'a appelé Kiraba. Écoute bien les termes parce que toi, je te connais, toi, tu es comme Ramzi. Tu es comme Ramzi dans As. Tu vas pas tout revenir. Alors, écoute, tu dis, il y a vice de procédure. Mon client, parce qu'au lieu de l'appeler monsieur Bakary, il a dit monsieur Kiraba. Donc monsieur Kiraba n'existe pas. Alors mon client, j'existe pour mon client, la sortie. Ok, il y a usurpation d'identité. Hein? Mais il y a vice de procédure et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu me dis, usurpation d'identité? Moi, toi, tu es con, je vais prendre 15 ans de cabane à cause de toi. Retiens bien ce que je t'ai dit. Mon client, tu m'appelles mon client, c'est mon client. Ouais. Bonjour monsieur, ça tombe bien que vous soyez là, vous êtes aussi en état d'arrestation. Bonjour bah oui. Monsieur. Ah bien sûr que non, je suis l'avocat de monsieur. Oui, vous êtes surtout le monsieur qui a écrasé deux officiers de police avec sa voiture, qui a fait une obstruction à la justice en bloquant un des portails du LSPD. Monsieur l'officier, vous voulez arrêter ce monsieur, s'il vous plaît? Quels sont les faits? Alors, il est trop bête. Refus d'obtempérer, obstruction à la justice, entrave à une opération de police, et il a également bloqué une des entrées du LSPD pour essayer d'empêcher l'arrestation. Monsieur, on ne discute pas avec vous en fait. Arrêtez-le. Tout ça devant monsieur. Des officiers assermentés. Leave Black Matter. Vous faites ça parce qu'il est black. C'est mon faut. Avocat. Vous le mettrez dans la même cellule. Non, il est avocat. De ma mère. Monsieur. Tonton. Ouais. Sale gros bâtard. Je suis derrière les barreaux. Qu'est-ce que c'est toi? Tu vois, mec, avec ses pommettes rouges là. Avec sa peau de cochon. Tu vois que sa pommette rouge là. Je le retrouve. Je l'encule. Je laisse ça. Je rigole pas. Il a voulu venir vous sauver. Voilà, il y a une merde dans les chiottes. Ah, il y a du caca. Il y a de la merde dans mes chiottes là. Oh, mes chiottes sont propres, hein. T'inquiète, bientôt je les canne. Tu es avec tonton, je fume un col. Hey. Oh le nain. T'as dit oh le quoi? Oh le nain. Comment ça oh le nain? Vas-y, on serre le, on serre le. Suce-moi, suce-moi, suce-moi. Attends, ah. Oh, j'y vais trop vite. Ah. Flip. Encore? Wesley? Ouais. T'es beau? Aussi t'es beau. T'aimes? Moi aussi je t'aime. Je mets ma main sur ta cuisse. Viens sur ma bite, je préfère. Quoi? Merde, c'est snap. What the fuck? J'ai failli le faire. Viens, viens, tu vas aller voir Didier, viens, viens, tu vas aller voir Didier, viens. Didier. Putain, il est beau lui. Quoi? C'est musclé. Hein. Et regarde là-bas, c'est Michael. Il prend 4 pattes, ça fait du bien. Hein? Quoi? Bon, viens, on remonte. Viens, on remonte, viens, on remonte, bâtard. Viens chercher, viens, va chercher Mani parce que c'est bizarre là qu'il se barre. Bah vas-y, go. Mani, t'es où? Eh, là j'ai un truc à faire. Dans 5 minutes, je te donne une position. Il faut que je sois qu'avec tonton et toi. Que vous deux. Non, mais pourquoi tu fais l'ancien là? Envoie maintenant. Non, là je peux pas. Dans 5 minutes. 5 minutes. Et toi et tonton. Eh, tonton, il refait l'ancien, Mani. Il fait comme la dernière fois. Dis voilà. Il m'a dit dans 5 minutes, je t'envoie une pause. Tu viens qu'avec tonton. Waouh. Pourquoi il fait l'ancien comme ça là? Il commence à me casser les couilles lui, hein. Mais putain, il me prend pour ça de chouin, il m'envoie pas. Laisse, calme-toi, ami. Mais gros, il est trop con, il est bizarre, lui aussi. Ouf. Vas-y, fais quoi, là? Mais calme-toi. Vas-y, viens, tonton. Bon, c'est quoi les mailles? Écoute, je suis au courant pour les lingots. Hein? Quoi? C'est Mani. Attends, Mani. Attends. Calme-toi, Wesley. Je suis de votre côté. Hein? Les mecs. Attendez. Mais non, mais n'écoute pas ce qu'il dit, ce clown. Va t'arnaquer, Mani. C'est son ami. Non. C'est son meilleur ami. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je lui ai tout dit pour les lingots. Mais frère, pourquoi t'as fait ça? J'ai fait porter le chapeau à un mec qui s'appelle John. Mais écoutez, voyez-moi, Ricky, il m'a fait aussi beaucoup de traces. Je sais ce qu'il vous a fait. Vous avez perdu un ami. Moi, il m'a fait aussi beaucoup de galères. Il me paye jamais. Il me fait passer pour un trou de balle. J'en ai un peu marre. Et le truc, c'est que Ricky, il pense pas que c'est vous. Du coup, il vous fait confiance. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que avec Donny, on s'est dit qu'on va marcher main dans la main. Comme ça, on va baiser Ricky tous les quatre. Tous les quatre, on va baiser Ricky. Lui,
Son côté, Ricky le paye jamais, il fait que des crasses. Et nous, il a baisé notre pote. Je me suis dit, ça va être quelque chose de risqué. Mais si Donnie nous baisse pas, Ricky, on va pouvoir le baiser. Là, ce qu'il a fait, Donnie, c'est que les lingots, je lui ai donné. On a plus de lingots, les mecs. Oubliez le lingot, on s'en bat les couilles de l'argent. Tu vas lui envoyer une pote, va lui parler de mission au début. Et d'un coup, on va tous sortir nos armes et on va le braquer. Et on va tous lui dire ce qu'on a sur le cœur, ok? On va l'encercler. Allez, on y va. On fait pas le marche arrière. On a plus le choix, Wesley. On a plus le choix. Il connaît tout. Il sait pour nous, c'est les lingots. Il sait tout ça. Ça t'avait dit quoi, la meilleure attaque? C'est pas la défense, c'est d'attaquer. Quand on est attaqué, il faut attaquer. Il faut qu'on attaque les premiers. Et c'est maintenant qu'il faut attaquer. On peut plus faire marche arrière. Hein. Venez, suivez-moi. Je vais dire à Ricky de venir à l'unicorne, vous le ramène. Au début, vous discutez avec lui comme si vous preniez des nouvelles, etc. On est d'accord? T'inquiète pas. Je vais faire le premier geste vers lui et vous sortez tous vos armes. Et là, okay, c'est bon. On va commencer à se... Putain. Je stresse. Bon, je c'est pas grave, ça va aller. Ah, il m'appelle, putain, il m'appelle. Viens, écoute, rejoins-moi à l'unicorne. Viens. Vas-y, je t'attends. Venez. J'ai ramené des bières. C'est gentil, c'est sympa. C'est le petit Wesley. Il devait me trouver, mais d'un coup. Eh ben, au final, c'était pas lui, c'était John. Désolé, je suis vraiment désolé. Il faut toujours regarder son dos 3 fois ou 4 fois pour être sûr qu'il y a rien qui se passe à chaque fois. Tu comprends? Lève tes bras, Ricky. Bah alors. Lève tes bras. Ah ouais. Fais-moi le malin là. Tu veux niquer mon père? Tu crois vraiment que je vais te laisser niquer mon père? Toi t'es pas la famille, t'es qu'un fils de pute. Moi tu m'as pris personne dans ma vie, tu m'as pas pris de vie, tu m'as pas pris de proche. Wesley, mets-lui ta balle, fais-lui ce que tu dois faire depuis un moment. Toi cet enculé, c'est moi qui vais lui mettre la balle. Et je vais pas lui en mettre une. Je vais le mettre sur une chaise et je vais le faire souffrir cet enculé. Allez, pour ça que c'est un fils de pute. C'est qui? Wesh, t'entends, ça va ou quoi? Ouais, écoute, tu as dit, j'ai mangé combien de temps? Bah 6. Fils, ça devient plus de 20 enculés. Wesh, t'as tous. Se mange tous. Il perd son sang. Allo? Anna Sengale, oua. Kona Kena Kena de oua. Fils, ça devient plus de ouf. Oh là là, ça va? Bouche à bouche. Quoi? Ouvre et ferme ta gorge. Bouge pas. Ouvre et ferme ta gorge. Ah ouais, y'a ouais, Gigo. Non. Avec les grosses mitraillettes. Manis, je crois que c'est le moment. Ouais, c'est bon. Là, il est. Va cool. C'est bon, c'est bon. Ça rappelle le RSK explosé. Voilà, si ce tombe, c'est mort. Toto, il va faire une avalanche. J'ai pas d'argent. Il est où? J'ai pas d'argent. Il a pris par la chute. Toto. Thank you.
va se passer quoi? Zakaré, viens ici. Non. Moi, je te fais tout le temps confiance. Tu vois, quand tu m'as prêté le million, bah t'as pu me faire confiance. Bah moi aussi, je te fais confiance. J'étais en orange, je suis pas trop fan. Sale merde. Quoi? Voilà. Je vous tue comme ce putain de tiroir des foutes à tes mecs. Oh ouais. Non. Quoi? Non. Zach, on espère que tu nous entends. Merci pour tous les moments qu'on a passés. On a rigolé, on a vécu des trucs de fou. C'est dur de devoir partir comme ça. Mon petit, calme-toi. Je te dis, je t'aime, mais... Oh, bordel, vas-y, je t'aime, fils de pute. Je voulais te dire quelque chose, Zach. C'est que je suis vraiment désolé. C'est de ma faute, alors. Je voulais juste... Je te dis pardon, on va te vencer. Perds ton âme, mon petit. Je t'aime. L'heure de la vengeance a sonné. Ricky, c'est qu'un mytho. Pour ça que je vais tout casser. Suis connu